Que faire le 14 juillet à Metz et à Nancy? Défilés militaires, spectacles et feux d'artifice, voici ce qui vous attend ce 14 juillet 2022. Moment à la fois festif et solennel, la fête nationale réserve quelques surprises aux Lorrains cette année. À Metz, une exposition de véhicules militaires se tiendra rue Winston Churchill à partir de 14h. Puis, à partir de 18h, le traditionnel défilé militaire prendra le relais, à Vannes-Unay. En revanche, la fin de soirée changera de l'ordinaire. Pas de feu d'artifice mais, à la place, un spectacle pyrotechnique Place de la République, à partir de 22h30, assuré par la compagnie Les Commandos Percus dans le cadre du festival Hop Hop Hop. Un show alliant percussion, son et feu où le silence prend tout son sens. À Nancy, la cérémonie militaire ouvrira la journée, place de la carrière, de 10h45 à 12h. Au programme, prise d'armes, défilé des troupes et défilé aérien. À partir de 21h, le public pourra profiter d'une ambiance musicale place Stanislas, suivie d'un spectacle pyrotechnique feu d'artifice. Puis, à partir de 23h, le son et lumière clôturera la soirée. Créé pour mettre en valeur le monument préféré des Français, ce nouveau spectacle est orchestré sur une bande son électro-svin avec différents univers visuels. Pour des raisons de sécurité, la place Stanislas accueillera un maximum de 20 000 personnes. Un espace supplémentaire de 500 personnes sera ouvert sur l'hémicycle Charles de Gaulle, devant le palais du gouvernement.